Alors, maintenant, on va revenir à... On va un peu oublier le Wi-Fi. On y reviendra vers la fin parce que ça pose quand même pas mal de problèmes encore. Donc, on va regarder donc une couche que vous connaissez. Enfin, vous connaissez un peu, qui est donc la couche LLC, Logical Link Control. Donc Logical Link Control, c'est l'HDLC que vous aviez vu l'année dernière, mais on ne va absolument pas l'utiliser de la même manière. Alors, je vous rappelle la théorie. Quand je suis dans le mode OSI, au niveau du mode OSI, j'ai une couche liaison. Cette couche liaison a pour but de sécuriser ou de fiabiliser la transmission. C'est-à-dire qu'en dessous, j'ai un canal bruité et au-dessus, j'ai un canal sans erreur de transmission. Donc avec des protocoles qu'on a vus comme ARQ, donc Active Request, qui vous permet de demander une retransmission quand vous récupérez une trame qui a un mauvais CRC, donc qui sont les plus connus. Et l'année dernière, vous avez vu le protocole HDLC, High Level Data Link Control, qui permet de faire ça. Donc dans le modèle OSI, ce qu'on suppose, c'est qu'en dessous, on a une liaison physique qui est point à point. Donc on a vu la dernière fois que quand on prend un réseau Ethernet, ou n'importe quel réseau local, c'est plus vrai, on a plusieurs équipements qui sont connectés au même support. Donc on avait deux choses, une couche MAC qui me permettait d'être le seul à un instant donné à pouvoir émettre sur le support. Le support diffuse plus ou moins. Si on est dans le vrai modèle, la vraie vision, c'est le coax qui envoie partout. Si on est en mode commuté, eh bien, c'est un coax intelligent qui n'envoie qu'au bon destinataire. Mais ça, c'est une optimisation. On peut toujours considérer qu'on envoie partout. Et c'est l'adresse destination qui va permettre donc d'avoir qu'un seul équipement qui reçoit l'information. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Grâce à ma couche MAC et à mon adressage, eh bien, j'ai réémulé une liaison point à point entre deux entités quelconques sur mon réseau local. Donc, si je reste dans ma vision réseau local, donc ça devient ma couche 1, on permet de communiquer avec n'importe quel équipement avec des données binaires, et ensuite, eh bien, je dois introduire ce niveau liaison. Donc, c'est ce qu'on a avec Logical Link Control, ici, qui va nous permettre, si on veut, de contrôler les erreurs de transmission entre deux entités quelconques sur le réseau. Donc on pourrait, par exemple, ici, imaginer remettre un protocole genre HDLC sur le réseau. Donc on va retrouver ce genre de choses. Alors, en fait, il y a aussi une énorme différence entre le modèle OSI des années 70 et le réseau local des années 80. Là, le canal est très bruité. Le taux d'erreur est relativement important. Pas complètement énorme, parce que sinon on ne pourrait pas prendre des mécanismes genre ARQ, mais le taux d'erreur est relativement élevé, ce qui fait qu'on a besoin de se protéger contre des erreurs de transmission qui arrivent fréquemment. Ici, le taux d'erreur, il est relativement faible. Si on est sur de l'Ethernet, on va avoir un câblage qui va être relativement bien fait, qui va nous éviter les perturbations, etc. Par exemple, je parle toujours de paire torsadée. Et pourquoi on torsade la paire ? Eh bien, parce que si vous avez des perturbations électromagnétiques, elles ne vont pas être d'un seul côté d'un câble, mais elles vont à peu près arriver sur les deux. Donc, si vous avez un codage différentiel des tensions,
eh bien, vous pouvez éliminer un certain nombre de perturbations grâce à ce torsadage. Donc, vous avez plein de petites astuces comme ça qui vous permettent de réduire le taux d'erreur. En plus, on part pour 100 mètres sur de la tempère torsadée. Et les règles de câblage vous disent qu'il ne faut pas le mettre à côté du moteur d'un ascenseur, à côté d'un néon. Parce que là, vous risqueriez d'avoir justement pas mal de perturbations. Ce qui fait que le taux d'erreur ici, il est très bas sur du filaire. Quand on n'est pas sur du vrai filaire, c'est-à-dire qu'on est en Wi-Fi ou en CPL, en courant porteur, là, on a des erreurs de transmission. Wi-Fi, parce que c'est du radio, courant porteur, comme on l'a vu tout à l'heure, bah parce que c'est un câblage qui n'a jamais été fait pour les transmissions de données. Et là, évidemment, le moteur de l'ascenseur, le néon, il est juste à côté. Donc, il y a plein de perturbations. Par contre, ce que l'on va faire, c'est au-dessus, on va rajouter au niveau de l'OFDM et donc des techniques de codage, on va rajouter des codes correcteurs d'erreur. Et donc, ce qui fait qu'au-dessus, le taux d'erreur résiduel est relativement bas. Donc, ce qui fait que ce qui va arriver à ma couche LLC est presque toujours sans erreur. Donc, ouvrir une connexion ici pour corriger des erreurs de transmission, ben, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de mémoire, c'est du ralentissement parce qu'il faut faire des échanges protocolaires. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'au-dessus, je suis en mode datagramme. J'envoie des données IP qui peuvent arriver n'importe quand. Donc, quand est-ce que je dois ouvrir ma connexion? Quand est-ce que je dois la refermer? Quand j'ai une adresse IP, comment je vais retrouver l'adresse MAC? Enfin, on a tous ces problèmes qui font que se mettre en mode connecté ici, ça a peu d'intérêt. Donc, ce qui fait que le mode de fonctionnement que l'on va utilisé le plus souvent dans LLC, c'est le mode de fonctionnement datagramme. Donc, on ne va absolument pas rajouter un traitement protocolaire aux données qu'on émet. Si elles sont perdues, elles sont perdues. Et ça sera aux couches hautes de récupérer. Donc, le mode connexion orientée que vous avez vu l'année dernière avec HDLC, eh bien, lui, il est très peu utilisé sur les réseaux locaux. Alors, vous avez un troisième mode hybride qui a été défini. Ce troisième mode hybride permet dans l'industrie d'avoir un fonctionnement intéressant. Par exemple, si je veux envoyer un datagramme, j'envoie une trame, elle arrive de l'autre côté. Si je voulais le faire en mode connecté, je dois envoyer la trame SABM. Vous vous rappelez de cette trame? Ouais. Donc, Set Asynchronous Balance Mode. Alors là, on va l'étendre. Ce sera SABME. Vous voyez, on fait des progrès. Donc, Set Asynchronous Balance Mode Extended. Donc, vous avez votre Unnumber Acknowledgement. Vous envoyez votre trame d'information. Vous récupérez une trame receiver ready et ensuite vous fermez la connexion avec une trame disconnect et on acquitte cette trame. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement normal d'un mode connecté pour envoyer un paquet, une trame et être sûr qu'elle est arrivée de l'autre côté. Donc ça, c'était le type 1, datagramme classique. Type 2, mode orienté connexion. Donc vous voyez qu'il n'a d'intérêt que si on émet plusieurs paquets de suite, plusieurs trames de suite, et vous avez un type 3. Donc le type 3 vous permet d'envoyer un datagramme et d'en avoir l'acquittement par la couche liaison, ou la couche LLC. Donc là, on n'ouvre pas la connexion, etc. Donc c'est un peu plus efficace. Alors pareil, ce genre de truc, c'est une rareté. Vous n'en verrez jamais dans les réseaux, et en fait, si vous mettez un analyseur sur votre réseau, eh bien, vous verrez presque uniquement donc, des trames d'attaquants. Alors, si on regarde le format de la trame, bon, c'est pas terrible. En fait,
Vous rappelez du format HDLC? Dans le format HDLC, on a des fanions au début pour dire ça commence, un fanion à la fin pour dire ça se termine, un champ adresse qui en mode équilibré sert pas à grand chose, un champ contrôle sur un octet et deux octets de CRC. Alors déjà dans cette trame, il manque quelque chose. Dans cette en-tête, HDLC que vous avez vu l'année dernière, il manque un champ fondamental. Il manque le protocole de niveau supérieur. C'est-à-dire que quand je reçois ça, je ne sais pas à quelle entité de niveau 3 je vais le donner. Alors quand on fait du X25, c'est pas un problème. Parce que quand j'utilise HDLC, je sais qu'au-dessus, j'ai un tramage X25, une paquetisation X25. Donc ce qui fait que là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'un seul protocole de niveau 3. Dans les réseaux locaux, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait la visio, on avait été voir au niveau d'Ethernet les protocoles de niveau 3. Et on avait vu 800. Pour IPv4, 86DD pour IPv6, 806 pour ARP, etc. Donc déjà, on a plusieurs protocoles de niveau 3 possibles. On vient d'en voir un autre avec l'authentification, les trames EAP, donc l'authentification qu'on vient de voir pour 802.1.x. Donc, il y a plein de protocoles de niveau 3, donc il faut arriver à les identifier. Ça manque dans HDLC. Bon, on va le rajouter dans LLC. Donc c'est ce qu'on va avoir ici, deux octets qu'on va appeler le Source Service Access Point et le Destination Service Access Point. Ou dans l'autre ordre. Ça, vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Donc ce truc-là va nous dire l'entité protocolaire qui émet et l'entité protocolaire qui reçoit. Alors, à part de très rares exceptions du genre on ferme tout, on casse tout et autres, donc une unité de gestion qui dirait à votre réseau il faut tout arrêter, donc on enverrait à chacun des protocoles, généralement, là où majoritairement, la règle ISO vous a toujours dit une entité protocolaire dialoguée avec son entité protocolaire et homologue et distante. Vous n'avez pas du X25 qui va parler avec de l'IP. Vous avez de X25 qui va parler avec X25, vous avez de l'IP qui parle avec de l'IP, mais vous n'avez pas vraiment d'un entité protocolaire qui va parler avec une autre. Ce qui fait que, à part de très 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 rares exceptions, les deux sont identiques. Donc, ce qui fait que ici, DSAP et SAP seront les mêmes. Donc, c'est pour ça que l'ordre n'est pas très important. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a? Alors, suivant l'ordre de transmission, on a toujours la même chose. Premier bit transmis, c'est ce que vous avez ici. Premier bit transmis va vous dire, dans le cas de la destination, si c'est une adresse individuelle ou de groupe. Ou un SAP, pardon, individuel ou de groupe. Alors ça, c'est complètement stupide aussi, parce que, généralement, une entité protocolaire ne parle qu'avec une seule. Donc ça sera 0. Ensuite, vous avez un bit qui va vous dire universel ou local. Pareil, ça veut dire, est-ce que j'ai payé mon impôt à l'I3E pour avoir un numéro bien à moi, ou j'utilise ce que je veux. Donc ça, c'est la même chose que qu'on avait vu sur Internet. Donc on a vu l'adressage. Et ensuite, il vous reste 6 bits pour numéroter votre numéro de SAP. Alors, au niveau de la source, c'est pareil, sauf que le premier bit, évidemment, là, on ne peut pas avoir un groupe qui parle à une machine. Vous allez avoir une machine, c'est toujours une machine, une entité protocolaire, pardon, ici,
qui va parler. Donc, c'est utilisé pour indiquer si c'est une commande ou une réponse. Donc, peu d'intérêt aussi pour ce bit. Universel ou local. Et ensuite, vous avez 6 bits qui vont numéroter votre protocole de niveau supérieur. Alors déjà, là, on perd un octet parce qu'on répète deux fois la même chose. Donc, vous verrez, dans toutes les trames LLC que vous allez voir, vous allez avoir deux fois la même valeur ici pour indiquer la couche protocolaire qui parle avec telle autre couche protocolaire. Enfin, la même. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, c'est quelque chose qui change par rapport à HDLC, c'est-à-dire qu'on arrête, on n'a pas l'adresse de niveau physique, mais on va avoir ici les entités protocolaires, donc au niveau 2 qui vont dialoguer, au niveau 3, pardon, qui vont dialoguer. Et donc on double ce champ. Ensuite, on a un champ contrôle. Et le champ contrôle, ben, on ne sait pas trop. Des fois, il vaut un octet. Des fois, il vaut deux octets. Donc, on verra par la suite. Et ensuite, on a les données. Alors, vous voyez, par rapport à ce que l'on avait dans HDLC, ici, je n'ai pas de CRC. Je n'ai pas besoin de CRC parce que le CRC, en fait, il est au niveau MAC. Donc Mac a déjà son CRC, donc ça ne servait à rien d'en avoir un au niveau LLC. Je n'ai pas l'adressage des stations parce qu'au niveau Mac, j'ai cet adressage des stations. Par contre, ici, je rajoute l'adressage des entités protocolaires de niveau 3. Et après, donc, ce champ qui va me servir pour dire la type de ma trame. Oui. Entre IP et Ethernet, il n'y a pas de LLC. Donc ça, mais ça, on le voit, parce qu'il suffit de regarder la valeur du troisième champ. Si sa valeur est inférieure à 1500, c'est une longueur. Et là, je forcerai à avoir du LLC. Et si la valeur ici est supérieure à 1500, ça me donne le protocole de niveau supérieur. Et donc, j'envoie tout au niveau supérieur, même un padding éventuel. Donc, on a les deux possibilités. Alors, comme je disais la dernière fois, on va surtout utiliser ça. Donc, dans IP, dans Ethernet, il n'y a pas de LLC. Par contre, si vous regardez ça, où est l'entité, où est le protocole de niveau supérieur dans la trame Wi-Fi? Il n'est pas. Donc, comme il n'y est pas, je serai obligé de mettre du LLC. Donc, j'en parle toujours, parce que dans la techno Ethernet, évidemment, on l'oublie. Par contre, dans les technos genre Wi-Fi, on sera obligé d'utiliser LLC. Même si la manière dont on l'utilise, comme on le verra par la suite, est assez affreuse. Donc, ici, j'ai été voir dans des vieux grimoires presque écrits au Moyen-Âge, quelles étaient les valeurs possibles pour les champs SAP de LLC. Alors, il y en a certains que vous allez voir dans la suite, dans votre vie professionnelle. Donc, un qui est le plus fréquent, vous verrez, c'est la valeur AA, donc qui est pour Snap. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Et l'autre que vous allez voir très fréquemment aussi, c'est la valeur 42 pour Spanning Tree. Donc, Spanning Tree, c'est un mécanisme entre ponts, hein. On avait déjà un peu parlé au début du cours. Vous vous rappelez, il y avait une question, c'était qu'est-ce qui se passe si on met plusieurs ponts sur un réseau? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et donc la réponse était ça dépend. Parce que si on a des boucles, ça ne marche pas. Et donc le spanning tree, c'est un moyen d'éliminer les boucles. Donc ce qui fait que c'est un trafic périodique que vous verrez aussi sur votre réseau. Mais généralement, les trames que vous allez voir, c'est Spanning Tree ou Snap. Et le reste, vous pouvez oublier. C'est pas très fréquent.
Alors, maintenant, le champ contrôle. Je vous ai dit, on était en SABM-E, et puis en SABM, comme ce que vous avez pu voir l'année dernière avec HDLC. Donc, quelle est la différence entre SABM et SABM-E, à part le fait qu'il y a un E au bout? C'est que la taille des compteurs a été augmentée. Si vous vous rappelez, dans HDLC, vous avez des trams non numérotés, unnumbered, des trams donc d'information et des trams de supervision. Donc les trams d'information contiennent deux compteurs, un champ NS qui est le numéro de la séquence que vous êtes en train d'émettre et un champ NR qui indique le numéro de la prochaine trame attendue. Et au niveau des trames de supervision, vous n'avez que le champ NR et par contre vous avez plusieurs types de trames de supervision. Receiver ready, ça veut dire tout va bien et voilà ce que j'attends ensuite. Reject, j'ai reçu une trame hors séquence, voilà ce que j'attends. Et receiver not ready, tout va bien mais j'ai plus de mémoire, donc il faut arrêter de m'envoyer de l'info. Ça c'est le mécanisme de contrôle. Et la beauté, donc je pense que l'année dernière vous avez tous été admiratifs devant la beauté de ce protocole. Parce qu'en HDLC, en 1 octet, on arrivait à coder plein de trucs. Un protocole d'anticipation et un protocole de contrôle de flux, des reprises sur erreur, etc. Donc tout ça marchait bien sur un seul octet. Alors le seul problème qu'on avait, c'est qu'on a une fenêtre d'anticipation de 7. C'est-à-dire que je peux émettre 7 trames non acquittées. Bon. Dans les années 70, quand on avait des liaisons à 2 mégabits par seconde, voire moins, eh bien, ça allait. Par rapport au temps de propagation, c'était pas trop gênant. Maintenant, quand je suis à 10 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde, eh bien, je risque, si je n'ai que 7 trames d'anticipation, une fenêtre d'anticipation de 7 trames, eh bien, d'émettre mes 7 données, et puis attendre après un long... Le schéma est mal fait ici... Mais je peux me retrouver avec quelque chose. J'émets mes trames, mes 7 trames, et après, long silence, le temps de récupérer un acquittement, et ensuite, je me retrouve à émettre mes trames quand je reçois les acquittements. Donc, pas mal de silence ici, lié au fait que mes compteurs sont relativement limités. Donc, en mode étendu, ce que l'on va faire, c'est passer les compteurs de 3 bits à 7 bits. Donc c'est ce qu'on voit très bien au niveau de la trame d'information. La trame d'information commence toujours par un bit à 0. Ensuite, on a 7 bits pour le numéro de la trame que l'on émet, le bit PF, et ensuite 7 bits pour indiquer le numéro de la trame attendue. Donc ça, c'est parfait, on ne perd pas de place. Par contre, pour les trames de supervision, je garde le compteur NR sur 7 bits. Par contre, ici, j'ai toujours que 3 trames de supervision. Donc, je perds ici 3 bits pour, qui correspondraient à des valeurs du compteur. Oui. Moi, ça me voit l'importance réelle de passer NS de 3 à 7. C'est le nom de la largeur de la fenêtre continue. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on avait vu l'année dernière, peut-être pas vous, ici, c'est que, par exemple, j'émets ma trame I00. Je me passe sur un compteur à 3 bits. Je ne vais pas faire 127 trames. Je reçois, donc j'émets I01, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai I70. Je reçois Receiver Ready 0. Qu'est-ce que je peux en déduire? 0. Là, j'ai une ambiguïté. Ça veut dire parce que tout a bien été reçu. Et donc là, dans ce cas-là, je dis le numéro de la prochaine trame attendue, c'est 7 plus 1. Comme je suis modulo 8, ça me fait 0.
Ou ça peut être rien n'a été reçu et j'attends toujours la trame 0. Donc là, ce truc-là est ambigu. Donc ce qu'on avait dit, c'est que la taille maximum de la fenêtre d'anticipation, c'était la valeur du compteur moins 1. Donc sur 3 bits, je peux avoir 2 puissance 3 valeurs, donc ça me fait 8, moins 1, ça fait 7. Donc ça veut dire que ici, sans ambiguïté, je peux numéroter cette trame pour que mon protocole marche. Le problème, c'est si mon temps de propagation est trop grand, eh bien, ou le temps, la vitesse d'émission des informations est très court par rapport au temps de propagation, eh bien, je peux me retrouver avec, ici, un acquittement qui va arriver très loin. Donc, normalement, mes timers sont adaptés à ça. Par contre, ça veut dire que ici, comme je suis obligé de m'arrêter pour éviter les ambiguïtés, et si j'envoyais 10 fois ça, si j'ai RR3, ben, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, je dois avoir une unicité de numérotation ici. Donc, quand j'ai des longs RTT, donc round-trip time, et que les temps de transmission sont relativement courts, eh bien, je n'arrive pas à avoir une transmission continue. Et donc, pour éviter ce problème sur des réseaux haut débit, comme les réseaux Ethernet ou autres, eh bien, on augmente la taille des compteurs. Donc ici, je me retrouve avec 2 puissance 7 valeurs. Donc, je peux faire 228 numéros. Et donc, j'ai le droit d'envoyer 227 trames avant de m'arrêter parce que je n'ai pas reçu d'acquittement. Donc, un meilleur remplissage du canal. Donc, on a ça, mais en mettant notre compteur sur 7 bits, on gaspille un peu de bits ici dans les trames S. Ce n'est pas un drame, hein, puisqu'on est en plus haut débit. Par contre, ce qui est un drame, qui va nous casser les pieds, ben c'est que maintenant la longueur de mon en-tête, va varier. Si j'envoie une trame de type U, mon champ contrôle ne vaut qu'un octet. Si j'envoie une trame de type I ou de type S, mon champ contrôle est sur 2 octets. Donc la taille de l'en-tête sera variable. Alors, si on regarde les trames, donc SABME, Set Asynchronous Balance Mode Extended, donc sur 7 bits, Disconnect UA et DM, Disconnect Mode, eh bien, les trames I, les trames de supervision, ça, c'est du type 2. Type 2, donc orienté connexion. Je ne parle pas du type 3, je vais parler que du type 1, où ici, vous avez la trame UI, Unnumber Information, qui va être le datagramme. Donc, quand vous allez émettre des trames de type 1, eh bien, vous verrez ici la valeur 3 en décimal, en hexadécimal. Bon, décimal. Hein, je vous rappelle, le bit ici, le bit de poids faible est à gauche et le bit de poids fort est à droite. Donc, quand on représente numériquement, on a la représentation inverse. Donc, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et ça, ça correspond à la valeur 3. D'accord ? Donc, ce que vous verrez, vous, à 99,999999% dans les réseaux locaux, quand vous aurez du tramage LLC, ce sont des trames de type 3. Donc, c'est à peu près la seule chose que vous verrez. Le reste, vous pouvez oublier. C'est pas vraiment utilisé dans... Pardon ? De type 1, pardon, avec la valeur 3. Alors, on va reprendre donc avec un petit exercice qui va nous permettre de comprendre les limitations de cette encapsulation qui est vraiment pas une des merveilles de l'informatique et des réseaux. Donc, combien de protocoles de niveau 3 on peut, de protocoles différents on peut transporter, on peut coder dans une trame LLC ? Ce qu'il faut ici, c'est regarder le... Attendez. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Donc, si je regarde ici
où je vais coder les protocoles au niveau 3. Donc c'est dans les champs ça. D'accord. Donc dans les champs ça, donc, j'ai un certain nombre de bits ici utilisés. Et donc combien officiellement de protocoles je peux avoir? Donc combien les 3 œufs pourraient se faire d'argent en enregistrant des protocoles au niveau 3? Donc on a le premier bit individuel ou groupe, ça on ne peut pas l'utiliser. Le bit universel ou local, si c'est au niveau officiel, on va être universel, donc à 0. Donc il reste ici que 6 bits qui servent pour numéroter les protocoles. Donc, vous avez 6 bits. Six bits pour le champ SAP. Donc, ça veut dire que l'on peut avoir 2 puissance 6, c'est-à-dire 64 protocoles de niveau 3 qui seront définis. Si on regarde Ethernet, combien on pourrait en avoir? Combien on peut avoir de protocoles de niveau 3 différents avec Ethernet? Oui. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir, c'est si vous regardez le champ Ethernet, hein, l'entête Ethernet, adresse destination, adresse source, et ensuite vous avez ici type ou longueur sur 2 octets. Donc 2 octets, ça veut dire que vous avez 2 puissance 16 valeurs possibles, donc 35 536, si on prend le 0. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que normalement, alors pour faire un peu plus formel, on a des valeurs qui nous indiquent la longueur de la trame. Donc les valeurs qui nous indiquent la longueur de la trame font que comme notre trame peut faire 1500 octets de maximum, eh bien on doit retirer ça. Et donc ça fait à peu près 64 000 valeurs possibles. Donc, j'ai 64 000 valeurs possibles de protocole de niveau 3 et 64 possibles si j'utilise LSE. Alors, donc, déjà, il y en a moins. Par contre, c'est pas trop gênant parce qu'en fait, les protocoles de niveau 3, hein, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Vous allez avoir, maintenant, si vous regardez un réseau, vous allez avoir IPv4, IPv6, ARP, 2-3 trucs un peu bizarroïdes. Mais c'est plutôt ce qui va être gênant, c'est qu'on ne va pas avoir le même codage. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un code, par exemple, pour appeler en Ethernet, pour IPv4, c'est la valeur 800 en hexadécimal. Ben ça, je ne peux pas le mettre dans une trame Ethernet, dans un champ SAP LLC. Parce qu'en champ SAP LLC, c'est 6 bits. Et là, c'est 2 octets. Donc on va avoir les mêmes protocoles qui vont être représentés par des valeurs différentes. Donc c'est pas très joli. Alors quelle est la longueur d'une entête de LLC type 1? Donc si on regarde le format, donc qu'est-ce que je vois au niveau de l'entête? J'ai 2 octets pour DSAP et SSAP, et puis 1 ou 2 octets. Donc là il faut prendre une décision. On est en type 1, donc type 1, on a des exemples de trames par la suite. Donc, type 1, c'est toujours un octet pour le champ contrôle. Donc, ça veut dire que ici, l'entête sera donc sur 3 octets. Oui. Oui, ça devrait faire tout. Ça va faire 64 035. Si je savais calculer. La différence même qu'on a faite. 1500, c'est parce que si on regarde les codages, donc les valeurs entre 0 et 1500 servent à coder une longueur. Qu'est-ce qu'il y a après? Ça ne peut plus être une longueur, du moins dans les premières versions du standard. Et donc, normalement, on les utilise au niveau Ethernet pour coder un protocole. Donc, quand vous regardez une trame qui circule sur le réseau,
Si vous voyez que ce champ est supérieur à 1500, vous savez que c'est un protocole. S'il est inférieur à 1500, c'est une longueur. Donc, on a déjà répondu à la question tout à l'heure, justement. C'est est-ce qu'on est obligé de mettre une encapsulation LLC sur Ethernet? Ben non, parce qu'on a justement cet échappatoire qui permet de coder directement un protocole de niveau 3 sur Ethernet, avec le risque de faire remonter le padding au niveau 3. Donc il faut que votre protocole de niveau 3 soit capable d'éliminer le padding, sinon on pourrait avoir des problèmes. Mais IP, ARP, IPv6, enfin à peu près tous les protocoles qu'on a, sont au courant de ce danger, et donc vont avoir des méthodes pour éliminer le padding. Donc ça pose pas de problème, et là on a une communication directe, ce qui est relativement plus simple. Alors, maintenant on a une trame qu'on avait commencé à désassembler la dernière fois. On vous rappelle, hein, on a cette partie-là qui est simplement la position des octets dans la trame, et la partie ici où on voit que des chiffres, c'est donc le dump en hexadécimal de la trame Ethernet, ou 802.3, on ne sait pas encore, qui a circulé sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu, enfin, si on le sait, c'est du 802.3. On avait vu ici l'adresse source, l'adresse destination, pardon, qui était une adresse multicast. On a l'adresse source ici. Et on avait donc une valeur 26. 26, ça nous donnait donc une valeur 26 en hexadécimal. C'est inférieur à 800 en hexadécimal. Donc on savait que l'on était dans une lecture 802.3 pure et dure du standard. C'est-à-dire que derrière, on a une encapsulation LLC. Alors, ce que l'on avait vu aussi, c'est que 26, ça s'écrivait... Donc si je voulais convertir 26 en décimal, donc 0x26, ça c'est de l'hexadécimal. Donc comment je fais? Je fais 2 fois 16 plus 6. Or, une ligne, si vous regardez ici, une ligne, c'était 16 caractères. Donc ça vous fait 2 lignes plus 6 caractères. Ou 6 mots, donc une ligne, 2 lignes, c'est celle-là, 2 lignes complètes, et 6 caractères, 6 mots, 6 octets, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est que cette partie-là était du bourrage. Donc là, on avait éliminé le bourrage. Maintenant, il faut savoir à qui on redonne ce truc-là. Et donc, on est obligé de voir les protocoles de niveau supérieur. Et ça, on sait qu'on a une encapsulation LLC derrière. Donc, comme on a une encapsulation LLC, ben, on peut aller voir à quoi correspondent ces champs. Et aussi, si c'est une trame, si j'étais assez pervers pour chercher une trame, mettons, de type I sur un réseau, ou si c'est une trame IU, Information and Number. Puisqu'il y a des données, c'est soit I, soit IU. Ça ne peut pas être supervision, ça ne peut pas être ouverture de connexion, parce que l'entête LLC est là, et donc si on n'avait pas une trame information, information numérotée, eh bien en fait tout le reste devrait être du bourrage. Et là on voit que le bourrage s'arrête là. Donc il y a des données. Donc c'est I ou IU. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a évidemment notre entête Ethernet. Donc on l'oublie. À partir de là, 4242 commence les données Ethernet. Et on sait, parce que le champ est inférieur à 1500 ou 5 DC, je crois, en hexadécimal. Donc, on est ici sur une encapsulation LLC. Si on avait eu quelque chose, par exemple, 800 ici, ben, on aurait dit ça. Les données, c'est de l'IP. Là, on sait, pas quel niveau 3. Par contre, on sait qu'on a obligatoirement une encapsulation LLC. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, regarder les champs ici en fonction donc de la trame LLC qui nous a été donnée. Donc on sait que le premier octet, c'est le DSAP. Le deuxième octet, c'est le FSAP. Et que généralement, le premier octet est égal au deuxième octet. Donc là, c'est le cas.
42-42. Donc on voit le tableau précédent ici. Et la valeur 42 nous dit qu'il s'agit du protocole Spanning Tree. Donc, on sait que c'est du Spanning Tree. Alors maintenant, est-ce que le Spanning Tree mode travaille en mode connecté ou en mode datagramme? Ça, on ne le sait pas encore. On n'a pas encore étudié le Spanning Tree. Donc, on doit regarder l'octet ou les deux octets suivants. Est-ce que je suis en mode datagramme ou en mode connecté? Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris le premier octet en décimal, en binaire. Donc, c'est 0,3. Et je vais regarder les bits, les premiers bits de 0,3 qui va me donner la nature de la trame. Donc, si j'ai, par exemple, vous voyez, les représentations ici sont inversées. Si ça commence par 1, 1, ça sera une trame de type I, de type S. Si, non numéroté, bon, de type U. Si ça commence par 1, 0, ça sera une trame de type S. Si ça commence par 0, eh bien, ça sera une trame de type I. Et dans les deux derniers cas, S ou I, eh bien, je dois prendre l'octet suivant comme étant faisant partie du champ contrôle. Ici, 3 en binaire, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Premier bit significatif est là, donc à droite. Le dernier bit significatif est à 0. Donc comme ici, on avait le sens de lecture de l'œil. Premier bit transmis, c'est un 1. Un 1. Donc ça m'indique qu'il s'agit d'une trame non numérotée. La valeur derrière me dit qu'il s'agit donc d'une trame unnumbered information. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'en déduis? Donc, ici, je sais que c'est d'un type 1, que c'est que sur un octet. Et donc, la suite, ce qui suit le 3, ce sont des données LLC. Des données LLC qui vont aller jusqu'au bout, donc jusqu'à l'endroit où on avait éliminé le padding. Oui. Alors c'est pas la transmission, c'est la représentation sur le papier. Donc quand, par exemple, si on prend l'adresse, c'est peut-être plus clair au niveau de l'adresse. Si vous vous rappelez, dans un des slides au début, on avait une adresse multicast. C'est quelque chose qui commence avec un bit à 1 ici. Et après, on a des trucs qui sont pas à zéro, forcément un bit à 0. Et après, on a par exemple ici une adresse de diffusion. Donc en fait, je regarde octet par octet et j'ai 0,1. Donc je l'écris de cette manière-là. Et là, j'ai une représentation numérique. Donc quand j'ai une représentation numérique, je la lis dans ce sens-là. Donc le premier bit transmis est celui-là. Tandis que quand je lis un livre, mon œil le parcourt dans ce sens-là. Donc ça, c'est toujours un problème de représentation de l'écrit. Dans quel ordre j'écris sur du papier, j'ai pas de séquence sur le papier, donc je suis obligé de lire. Par exemple, si je dis dans ma trame, j'ai envoyé 1 et 0 et 1, ainsi de suite, dans quel ordre on va le lire? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Donc normalement, quand je dis de manière littérale, votre œil lit comme ça. On va mettre 0 plutôt. Donc vous savez que le premier bit transmis, c'est 1, ensuite 0 et 0. Par contre, quand je vais l'écrire de manière numérique, eh bien on va le lire dans ce sens-là. Donc c'est juste un problème de représenter l'ordre de transmission sur une feuille de papier. Ce n'est pas une question technique d'ordre de transmission, c'est simplement comment arriver à l'écrire. Et c'est pour ça que quand vous allez sur un tableau, comme ici, eh bien, au-dessus du tableau, on représente l'ordre dans lequel les bits sont transmis. Donc comme ça, vous pouvez vous retomber sur vos pieds.
Donc ici, on a une trame de type 1. Donc, un number information. Et ensuite, des données. Bon, on va essayer maintenant, quand on connaîtra le spanning tree, peut-être qu'on pourra voir ce que contient ces données.